Alors, rebonjour tout le monde. Ben, prédiction, maintenant, on va faire l'Europe, hein, on va voir ce que ça donne. C'est vrai que, voilà. Alors, hop. Faut pas non plus s'attendre à des miracles, hein. La situation européenne est dramatique, on va le dire. Il n'y a pas qu'en France, il y a aussi ben, un peu partout, quoi. Allez, Soleil le 8. 8. Donc là, la mort à l'envers. Donc pas de changement immédiat. Cabaye le 17. 1, 17. La force envers. User, d'ailleurs, sois bienvenu, User. Stéphane le 14. La Renaissance en vert. Ça, je suis pas surpris quand je vois les cartes là, parce que je dis, de toute façon, on arrive dans une situation. L'Europe est en train de se casser la gueule, mais quelque chose de bien. Mais tout le monde dit Amen. Yves Masson, d'ailleurs, sois la bienvenue Masson, le 4. La Lune en droit. Alors. Nicole, Sissi, Yolène, Walking Dead, Jacqueline, Marlène, Domi, le 7. Non. 7. L'étoile en droit. Alain, Raymond, le 13. 13. Le Seigneur en vert. Aborigène, le 6. 1, 6. Le fou en vert. Encore, malheureusement, un. Faut le dire, hein, l'arrivage de migrants à plein. Comme c'est pas possible. Éric, le 12. 11, 12. Le magicien en droit. Et Laurent, le 18. 13, 14. 15, 16, 17, 18. Et nous avons l'ermite en vert. Je vais quand même prendre Laurence qui m'a donné le 19 parce que c'est la seule. Donc et nous avons la grande prêtresse en droit. Donc bah, pour l'Europe, bah, on continue, malgré qu'il y ait des espoirs, il faut savoir qu'il y a certains pays européens, comme l'Italie, qui veulent quitter l'Union européenne. Il y a l'Italie, il y a l'Allemagne, il y a différents pays qui veulent quitter l'Union européenne et partir dans un truc de l'Afrique. Où justement la Russie est installée. Je sais plus comment ça s'appelle. Je vous dirai ça tout à l'heure pendant le live. Mais voilà, il y a quand même. Bah, on continue dans la chute tranquillement, mais sûrement de nos politiques européennes. Mais on a toujours cette épée de Damoclès avec Poutine. Je ne vais pas vous le répéter à chaque fois. Hein. Vous savez très bien qu'à un moment ou un autre, ça va nous péter à la gueule. Ben, résultat des courses, pour l'instant, on va dire, tant que les vacances sont pas passées, c'est toujours pareil. L'Europe, c'est pareil hein, pour toute l'Europe. À mon avis, il va y avoir quand même pas mal de soucis à partir de septembre.
dans toute l'Europe qui, là, ça va faire très mal. Voilà. Donc je ne dis pas grand-chose, hein, voilà. On en parlera tout à l'heure. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur l'Europe. L'Europe est en train de se casser la gueule. La Russie nous menace ouvertement de nous balancer quelques missiles sur la tronche. Là, il y a eu quand même des livraisons au niveau européen de missiles pour l'Ukraine, comme d'habitude. Donc, un moment ou un autre, monsieur Tonton Poutine risquerait quand même un moment ou un autre de dire, attendez, c'est bon, les Européens, là, vous commencez à me péter les noix. Je vais vous balancer 2-3 missiles sur la gueule, comme ça va vous calmer. Voilà ce qui nous attend. Donc, à mon avis, les JO 2024, je vous le dis franchement, ils sont un petit peu tangents, on va dire. Hein. Ça va être assez coton. Voir ce qui va se passer avec la suite des événements, mais il serait capable d'interdire l'accès aux Jeux Olympiques à la Russie. Hein. En même temps, Poutine, il s'en fout, quoi. Faites-vous plaisir. Hein, voilà, quoi. Mais à un moment ou à un autre, de toute façon, ça risque de nous péter la gueule, ça c'est sûr. Il y a trop de pays qui sont associés à Poutine et qui sont des menaces, hein, comme la Corée du Nord, la Chine, l'Irak. Tout ça, c'est des pays qui peuvent éventuellement nous faire beaucoup de dégâts. Donc sur ce, je vous dis à 14h, à partir de 14h, 14h15, hein, on n'est pas une minute près. Là, malheureusement, Nini, elle est partie à son rendez-vous, malheureusement à pied, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et quand on dit on doit faire partie de la famille des rois maudits, c'est pas possible. Allez, à tout à l'heure, les amis.